Alors qu'il risque de perdre l'usage de son bras, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger pour Karim au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. D'après un extrait dévoilé par TF1, la vie du policier pourrait même être en danger. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis l'explosion du mât, rien ne va plus pour Karim, Sami Garbi, dans Demain nous appartient. Tandis qu'il risque déjà de perdre l'usage de son bras, les choses ne sont malheureusement pas prêtes de s'arranger pour le compagnon d'Anna, Maud Baker, au cours des prochains épisodes du feuilleton de TF1. Dans un nouvel extrait inédit disponible sur MYTF1, Karim est à nouveau sur pied et se réjouit à l'idée de pouvoir bientôt sortir de l'hôpital. Mais pendant qu'il se promène avec Anna dans les couloirs de l'établissement, le policier s'arrête brutalement parce qu'il peine à respirer. Paniqué, sa compagne lui demande de s'asseoir le temps qu'elle aille chercher un médecin, mais Karim s'effondre violemment au sol la seconde d'après. Fausse alerte ou la vie de Karim est-elle en danger? L'accident de Karim a en réalité des conséquences bien plus graves que ce que l'on pouvait penser jusque-là. En effet, la blessure au couteau qu'il a subie lors de l'explosion du mât a créé une plaie veineuse ainsi qu'un hématome compressif. Pourtant, les médecins ont pris toutes les précautions nécessaires lors de l'opération, mais un caillot s'est malgré tout formé dans la veine, ce qui a provoqué une embolie pulmonaire. Même si l'état de santé de Karim est grave et préoccupant, ce dernier va heureusement être pris en charge à temps si l'on en croit les informations de News Actual et son état devrait donc être rapidement stabilisé. Dans le même temps, l'auteur du sabotage qui aurait pu coûter la vie à Karim court toujours et les Delcourt se trouvent plus que jamais dans l'impasse. L'enquête de la police permettra-t-elle de mettre la main sur le coupable? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.